oses-tu dire ce genre de choses? Mais c'est où le problème avec ce que je viens de dire? Tout est mauvais dans ce que tu viens de dire. Parce que je l'avais dit devant vous que personne d'entre vous ne peut encore aller dans ce village. Vous devez le mettre dans votre tête. Mais on peut aussi bien y rester pour toujours. Écoutez, maman, je suis désormais un homme. Et il arrive des fois dans la vie d'un homme de se choisir un chemin. Mieux vaut que je meure que de permettre à l'un de vous d'aller encore dans ce village. Je suis en vie malgré que j'ai enterré votre père. Je ne saurais plus survivre si j'enterre encore l'un de vous. Maman, s'il te plaît, qui t'a dit qu'on irait au village pour se faire tuer? J'étais un enfant quand nous avions quitté Amimo. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que je veux connaître mes origines. Hein? Oui. Amimo demeure le seul village dans le monde entier où tous les membres de ma famille et moi ne serons jamais considérés comme des étrangers. Exactement, maman. Maman, si Okezie et moi décidons de nous marier aujourd'hui, tu essaies de dire que nous n'irons pas au village pour faire la cérémonie de mariage traditionnelle, c'est ça? Désolée. Quand quelqu'un connaît, assieds-toi. Il peut s'agir que cette personne est ton ami ou quelqu'un qui t'a connu ou qui a suivi ta vie précédente. Oui, c'est vrai. Mais je suis toujours effrayé de cet avis jusqu'à ce que celui qui est destiné à connaître plus sur moi est venu faire de moi un canal par lequel le Dieu créateur apporte son message sur terre. Je verrai toujours avec mes propres yeux, et même si cela arrivait vraiment très tard, c'est alors que j'irai rejoindre mes ancêtres. Mon Kike, l'incertitude entoure tout le processus d'ascension. N'oublie pas que le faucon qui attrape le poussin vient du ciel. C'est la raison pour laquelle un coq n'hésite pas de regarder vers le haut lorsqu'il finit de manger et de boire de l'eau. Mon Kike, tu es un homme si bon. J'aurais aimé en faire plus pour toi. Okota Abala, ton défunt père, mon très cher ami, serait très fier de la sagesse que tu ressors maintenant. Merci beaucoup pour tes mots d'encouragement. Et comme je suis déjà un vieillard, j'aurai toujours mes yeux fixés sur terre, qui vont guider mes pas. J'ai raison. Je t'en prie. J'ai appris la nouvelle.
Oui. Docteur, cette petite fille n'aurait pas dû mourir comme ça. J'ai suivi son dossier depuis très longtemps. Elle ne devait pas mourir de cette façon. Je n'ai jamais perdu mes patients. Ça me fait très mal et j'ai... Claire, il y a toujours la première fois pour un docteur de perdre son patient. C'est ce qui est arrivé, on n'en peut rien, mais tu avais quand même fait de ton mieux. Ne reste pas bornée sur la situation, ok? Oui. Merci, madame. Mais... Apprends à voir la mort d'une autre perspective et les rendre plus positifs. Ne le laisse pas t'affecter psychologiquement. Ok? Oui. N'oubliez pas d'enregistrer tous les patients. Surtout, mettez-les sur cette liste, ok? Très bien, docteur. Merci d'avance. Bonjour, docteur. Oh, bonjour, docteur. Comment vous allez bien? Parfait. Infirmière. Monsieur. Où peut se trouver le docteur Dimba? Elle vient de sortir à peine. Oh, d'accord. Docteur, les résultats de ces examens sont déjà prêts. Oui. C'est ici qu'on a présenté le diagnostic. Tout ça? Ok, je comprends. Bien, merci. Oudez-moi. Oudez-moi. Qui es-tu? Et comment viens-tu de m'appeler? Ton nom n'a jamais changé. Ça a toujours été Oudez-moi. C'est pas ça mon nom, messieurs. Je sais qu'on t'appelle Claire, mais ce n'est pas ton vrai nom. Tu as toujours ce cœur gentil et très généreux. Et ta beauté ne t'a pas quitté. Ok, je peux voir que tu t'adresses à la mauvaise personne. Je dois partir. Je n'ai pas besoin de voir cette marque de naissance que tu as toujours eue sur toi pour que je puisse accepter qui tu es. Si cet enfant, à l'endroit où tu guéris les malades, avait attendu un peu plus longtemps, tu aurais été capable de le guérir d'une manière que tu ne peux comprendre. Arrête de te culpabiliser pour sa mort. Qui es-tu? Je t'ai toujours protégé depuis ta naissance. Mais le temps pour toi de te manifester est arrivé. Et le temps pour moi de me reposer presque arrivé. Je suis venu te prévenir qu'il te veut toujours morte. Arrête! S'il te plaît, je t'en prie pour l'amour du ciel. Arrête! Ok? De quoi est-ce que tu parles? D'ailleurs, qui me veut? Qui es-tu exactement? Vautour est réellement un oiseau patient. Finalement. Dans 5 jours, je vais célébrer la fin d'un voyage qui m'a pris des âges pour finir. Et ta célébration a commencé si tôt. Agbala, qu'est-ce qui se passe ici? Ce feu ne devrait pas être éteint jusqu'à ce que le rituel soit exécuté. Le rituel n'a jamais commencé. Tu es un fou. Ouzobugwe. Je peux sentir son sang. J'en ai hâte. Je me suis personnellement assuré qu'un canon la frappe à mort. Comment pourrais-je être trompé? Ton ombre disparaîtra vite dans le temps. Si tu ne me donnes pas son sang dans les 5 jours qui viennent, tu seras livré à sa place. Agbala! Agbala! Disparaissez! Vite!
qui je suis n'est pas important. Mais tu connais très bien la circonstance de ton existence. Et ce pourquoi tu dois rester en vie à tout prix. C'est ça le plus important pour l'instant. Écoute, vieil homme, j'ai passé une dure journée. Et si... Tu sais quoi? Je ne vais pas rester ici et écouter tes histoires hallucinantes. On ne s'est jamais croisés, ok? Passe une belle journée. Tu peux partir. Mais souviens-toi que la destinée de plusieurs personnes dépend de toi. Et... Hey, arrête ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague? Comme je l'ai dit, mon temps est presque écoulé. Quoi qu'il en soit, si tu ne prends pas en main ta destinée, tu ne vivras pas au-delà des jours qui prennent un œuf pour éclore. En commençant par le dernier jour où tu avais vu Derek. Claire, tu fais quoi là? Mais comment tu te parles à toi-même? Moi? Je ne parlais pas. Est-ce que tout va bien? Bien sûr, tout va très bien. C'est juste que j'ai causé un homme. Ne l'as-tu pas vu? Le vieux homme, il avait l'air bizarre. Il avait porté des anciens trucs. Il se tenait juste ici. Oui, ici. Quoi? Allô? Quoi? Ok, dans une minute je serai là, s'il peut attendre juste un peu. D'accord. Chauffeur, s'il vous plaît, ramenez-moi à l'hôpital. Maintenant là, maintenant. Le grand Okota Ogbala. Quel bon vent t'amène chez moi. Anito. Peu importe la ruse d'un homme. Son attitude est le miroir. Quand le sorcier guérisseur offre des noix de cola aux dieux, il ne les mange pas en premier. Depuis le temps de nos ancêtres, un Dibia est une personne hautement spirituelle, dotée d'une connaissance et d'une compréhension profonde. Il a les compétences pour maîtriser l'autorité qu'il a pour guérir. Un Dibia est cette personne qui nettoie la terre de ses souillures. Aneto, un Dibia est cette personne qui enseigne la cause de la vie et l'ordre de la société. Aneto, tu es l'opposé de tout cela. Je suis ici pour t'avertir de changer tes mauvaises habitudes.
Okota Ogbala, je pensais que tu fais partie de ceux qui ont compris les dynamiques du changement. Mais il est clair que j'avais tort. Laisse-moi te dire, si tu refuses de t'adapter au changement, tu seras en retard. Aneto, je suis un vrai Dibia de la lignée des grands sorciers guérisseurs. Je te le dis avec autorité. Tu es une honte pour la vocation holistique et spirituelle d'être un Dibia, Aneto. Tais-toi. Aneto, tes pratiques sont détestables pour Igwe, le dieu du ciel. Pour Amadioha, le dieu de la foudre. Pour Anyanwo, le dieu du soleil. Pour Ané, la déesse de la terre. Et surtout, pour Bouakeke, le dieu tout-puissant. Ah! Docteur, où est-il? Qui? Mais vous m'avez appelé, disons que mon père est rapidement amené à l'hôpital. Où est-il alors? J'étais dans les taxis quand vous m'avez appelé. J'étais dans les taxis quand vous avez appelé. Où est mon père? Je t'ai pas appelé. Ton père non plus n'est pas ici. Vous ne m'avez pas appelé? Allô? Papa? Papa, où es-tu? Comment tu vas aujourd'hui? Non. Non, juste savoir, papa. C'est rien, c'est rien. Oui, d'accord. On se rappelle alors. Au revoir. Est-ce que tu vas bien? Quelqu'un m'a appelé. Okota Agbala, je suis un gardien. Et je veux que ça soit inculqué dans ton cerveau. Si tu étais sage comme tu le revendiques, tu t'agenouerais. Tu t'agenouerais et te prosternerais devant moi pour apprendre de moi comment cette vocation fonctionne. Tout comme le Nza proverbial qui s'est suralimenté en oubliant tous ses petits, défiant toute divinité. Aneto, bientôt. Très bientôt, tu te rendras compte que le goût du petit cola est différent de la douceur du son à l'oreille. Aneto, Amemo n'a pas besoin d'hommes méchants comme toi. Claire, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air... Maman, je passais une très dure journée. Oh, j'avais pris un taxi et j'ai dû m'arrêter en cours des routes. J'avais besoin de marcher et mettre les idées au clair. C'est... Claire, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-moi, Claire. Je voulais juste... C'est rien du tout. Je dois me reposer. Maman? Oui? C'est quoi le problème? C'est avec Claire que tu parlais? Alors, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Elle est venue avec un air suspect. Suspect? Elle avait pris un taxi. Elle s'est arrêtée en cours de route. Elle voulait c'est quoi? Je n'ai rien compris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas le temps pour les stupides et simples mortels comme toi. Je vois le ténèbre dans ton âme.
Aneto, je ne vais pas te combattre. Les dieux ont leur façon de faire leurs choses. Mais laisse-moi te dire, tu joues avec de la boue. Tu ne seras jamais un gagnant. Va à la maison et meurs en paix. Oh mon Dieu. Il a parlé de mes règles. Mais c'est ma période. Et l'œuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Claire, qu'est-ce qui se passe? Claire. Combien de jours prend un œuf pour éclore? C'est 21 jours. Mais cela peut paraître peu dans certains d'autres endroits. Pourquoi tu le demandes? Que sais-tu à propos de la réincarnation? La réincarnation? Bien, d'après la cosmologie, les gens se réincarnent. Certainement pour compléter les bonnes œuvres qu'ils ont commencées, ou bien pour être acquittés des erreurs qu'ils ont commises pendant qu'ils étaient en vie. Cependant, ils reviennent à la vie normale et après ils vont rejoindre les ancêtres. Ok, donc c'est ça. Oui. Penses-tu que je suis la réincarnation de quelqu'un? Pourrais-tu arrêter ce genre de questions? Et d'ailleurs, c'est pourquoi même? Si ça prend un œuf, 21 jours pour éclore, et il y a de cela 16 jours depuis que j'ai vu mes règles, cela veut dire que je n'ai que 5 jours. Le vieil homme m'avait dit qu'il ne me restait que 5 jours à vivre. Claire, est-ce que tu vas bien? Dans les 5 jours qui viennent, tu devras célébrer ton anniversaire. Et ça ne sera pas ta mort. En passant, dis-moi, c'est qui ce vieil homme à qui tu te réfères? Claire! Kabakao! Qu'est-ce qui m'arrive dans cette vie? Non! Mais pourquoi est-ce que tu continues de pleurer? Pourquoi ne pas d'abord enterrer ta fille? Ce n'est pas le temps de faire ce que tu fais là. Si tu veux, tu ne sauras même pas déplacer une montagne. Amaka ne reviendra plus jamais en vie. Konya, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît, pourquoi Konyane doit tuer mon unique fille? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il peut enraciner toute ma postérité? Pourquoi? Mamé Dike, tu as posé une bonne question. Mais ce qui est sûr, tu attends une réponse d'une mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ceci? Je sais que tu as besoin de réponses. Voilà pourquoi je suis venue. Ah.
Si tu es un être humain, tu devrais avoir peur de moi. Si tu es un esprit, Aneto n'a aucun cas peur de toi. Apparaît. Esprit de mort, c'est ça ce que tu veux? Tu veux qu'on mange ensemble? Je ne veux pas permettre que ça m'arrive. Claire, Claire, regarde-moi. Emeka et moi avons essayé de comprendre ce que tu nous dis. Okezé était ici, après plusieurs temps, la même question. S'il te plaît, pourquoi ne pas rendre les choses faciles pour que nous puissions comprendre? S'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, de quelle autre manière suis-je censée le faire? Que ça soit dans un sens compréhensif. Je suis ta mère. Fais-moi comprendre. Okezé avait dit que tu monologuais. Et tu viens de me dire il y a quelques minutes d'un vieux homme. Comment peux-tu expliquer toutes ces choses? Je ne sais pas. Je dois les découvrir moi-même. Ok. Claire, si c'est concernant un patient que tu as perdu à l'hôpital et tu es devenue malade. Maman, comme tu je suis docteur. Ok, si j'étais malade, j'allais le savoir. Hey, mon Dieu, mon roi. Ok, Zie, je suis vraiment très inquiet de beaucoup de choses qui se passent maintenant. D'abord, je suis inquiet pour Claire avec ses histoires bizarres. Et deuxièmement, je suis vraiment très inquiet du fait que ça va bientôt faire 25 ans que je n'ai pas pu fouler mes pieds dans mon village natal. Mais ne t'inquiète pas, ok? Tu vois, Claire ira bientôt chez elle. Et pour toi, je comprends que c'est... Non, tu n'arrives pas à comprendre. Je suis sérieusement en train de réfléchir à comment me marier. Et ma mère pense que retourner au village serait une situation qui va de plus en plus bloquer notre vie. Écoute, cela n'est pas un avis que je vais facilement admettre comme ça. Alors, tu as sûrement plusieurs options. Alors, décide-toi, monsieur. Mon problème est celui-ci. Si seulement je retourne à Amimo, ma mère va beaucoup se soucier et d'ailleurs elle sera prête à se donner la mort. Laisse-moi te dire un truc sur les mères. Les mères sont presque toujours plus fortes qu'elles te laissent imaginer. Mais la vérité est que, oui, très souvent elles ont vraiment raison sur certaines décisions. Mais dans pareille situation, mon ami ignore tout ça et prend les taureaux par les cornes. Et si et seulement si je vais à Amimo et du coup tout tourne mal, que dira ma mère? Ok. Et si tu vas à Amimo et que ton peuple t'accueille à bras ouverts? Oh. Ah, Okezie. Je suis en train de passer des moments très difficiles ici et toi tu ne me proposes rien du tout. Mais comment tu expliques ça? Écoute, je parle ici de gagner ma vie. Construire une maison au bon moment. Tout ce dont j'attends de toi, c'est de me dire si je dois partir ou de me proposer d'autres chemins qui m'aideront à partir. Donc, sérieusement, tu veux qu'une autre personne prenne une décision pour toi? Allez, mon ami, tu vaux mieux que ça, mon cher. Tu
Je prie qu'on vive longtemps. Issé. Je prie pour une longue vie pour tous les hommes. Toutes les femmes ainsi que tous les enfants. Surtout quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Car ce problème sera résolu. Issé. Bon, très bien. Laissez-moi continuer. What's that? Kayekulu. Oh, yeah. Apuna bon, ketenke te yade mero. Simne kana akwe gute. Nganga una na tu egwago. Je sais pourquoi vous êtes là. Le problème que vous avez dans votre famille. Si vous vous dépêchez, vous éviterez la malchance. Alors hâtez-vous, car c'est déjà le moment. Je ferai un effort d'être plus clair que possible. Onyedika, est-ce que tes mains sont pures? Hey, Oni, où est-ce que tu vas? Je vais chez Enugo. Chez Enugo? N'es-tu pas supposé rester à la maison faire les deuils? Ifoma, je sais que je suis censée rester à la maison pour faire le deuil de ma fille. Mais si je t'ai dit comment j'ai perdu mystérieusement mes chèvres, tu seras choquée et tu ne reviendras pas. Je m'en vais. C'est bien. Bonne route. Hey, cette vie. Maintenant qu'elle a réussi à finir tout le monde dans sa famille, elle veut fuir. À chaque fois qu'on marche tout près de la maison de cet homme, ça me dépasse toujours et je me demande comment est-ce que certaines personnes peuvent être si méchantes sans avoir honte. Allô, mon frère. Je crois toujours l'adage de notre peuple qui stipule Nkonye Metara. Tout mal que l'on sème, c'est ce qu'il récoltera. Exactement. Oh. Et même quand Onyedika était en train d'essuyer la maison, n'as-tu pas pu voir comment sa propre fille, son unique fille, est mordue comme ça? Tu vois, quelquefois je me demande quel est le mystère derrière la mort de cette fille. Comment se fait-il qu'un canon qui était censé cibler le ciel s'est retourné pour frapper cette fille à mort? Hein? Quel serait le tort que cette fille aurait causé? Cette fille innocente, quel serait son tort? Le seul tort que cette fille a commis, c'est d'avoir un très mauvais cœur qui a tué son mari dans des conditions très mystérieuses. Et c'est même tué le grand frère de son propre mari, en utilisant même un charme pour faire disparaître sa femme et ses enfants très loin de ce village, pour ne jamais y retourner même. Tu disais? Pourquoi ne te concentres-tu pas sur le contenu de cette bouteille? Et oublie tout ce que j'étais en train de dire. Je me rappelle maintenant. Tu te rappelles maintenant. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Hein? Je n'étais pas là quand ça s'était passé. Mais je me souviens très bien que cette femme niait qu'elle n'avait rien à voir dans tout ce qui s'est passé. Tu as compris? Hein? Je sais. Elle peut bien lier, mais la vérité va demeurer. Quelle que soit la durée que ça va prendre, mon frère, je te le jure, qu'elle le sache très bien qu'elle finira par payer absolument tout le mal qu'elle a eu à faire. Moi, je souhaite que tes prières soient exaucées, que les méchants s'en aillent et que les bons comme nous demeurent. Hein? Agora, ma poisson est finie.
Tu vois, Ago, hein, ne pense pas que je dois encore trouver une bouteille pour la nuit, tu vois, puisque celle-ci vient de finir. Hey, hein. Non, regarde-toi. Écoute-moi. Puisse ceci... Est-ce que le contenu de cette bouteille ne peut pas t'emmener jusqu'à ta tombe directement? Que tu arrêtes de dire ce que tu dis. Vas-y, c'est ça. Ta prière ne sera pas exaucée. Ago, je ne mourrai pas. Mais attends, non. Hein? Attends, Ago. Hein? Elle a pris le chemin de l'esprit coupable et est partie s'exiler elle-même. J'ai scellé cette maison. Désormais, aucun descendant de Dingba ne réclamera jamais cette maison. Et aucun être humain ne marchera dans cette maison et vivra pour raconter l'histoire. Aneto a parlé. Claire, tu fais quoi ici? Rien du tout. Non, ne me dis pas rien. Bon, c'est à propos de la petite fille qui est morte. On t'a déjà dit que c'est pas ta faute. Tu ne devrais pas être aussi affectée. Je viens juste de te dire rien. Écoute, hier je t'avais parlé d'un truc, mais tu ne m'avais pas cru. Quoi d'autre veux-tu que je fasse? Claire, je t'aime. Et je dois m'inquiéter quand je commence à te voir te comporter comme si... Comme quoi? Comme une folle? Dis-moi, n'est-ce pas? Donc maintenant, je suis devenue paranoïaque. Dis-le. Juste, dis-le. Claire, il faut que tu te calmes. Ne me demande surtout pas de me calmer, s'il te plaît. Je dois voir ce vieil homme. J'ai des questions qui ont besoin de réponses. Ah. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais très bien, ok? Quoi? Non, arrête! Arrête ça! Lâche-moi! Oh! Faith! Non! Arrête ça! Arrête! Faith! Arrêtez! Lâche-moi! Oh! Non! Maman, Okezie vient juste de m'appeler. Il m'a informé que Claire est devenue folle. Quoi? Onyedika, qu'est-ce qui ne va pas ici? Étais-tu allé à Onyegu hier, où tu es revenu ce matin? Tu les as vus? À qui est-ce que je fais de mal? Quelle est cette personne que j'ai offensée? À qui est-ce que je fais de mal? Onyedika, combien de fois dois-je te dire que pleurer ne résout aucun problème? En effet, pourquoi es-tu ici au village? Au lieu d'aller chercher ce qu'on t'avait envoyé à Onyegu, ce sont les instructions. Nous étions attaqués par les brigands. Quoi? Ils nous ont tout ravis. Ils ont fui dans la brousse. Oh. Seul Dieu connaît comment je me suis en sortie de cet endroit. Arrivant à la maison, je découvre que Aleto a scellé ma parcelle. J'ai souffre, je ne sais quoi faire. Ça suffit, Onyedika. Ça suffit. Allons alors chez moi et pensons sur ce qu'on doit faire. Oh, j'ai pleuré. J'ai dit à Okwafa de me faire découvrir mon crime, puisque je sais que je n'ai rien fait de mal. N'est-ce pas que c'est lui qui m'avait demandé d'aller à Eroku pour aller faire la paix avec Cynthia et ses enfants? J'ai quitté Onogu pour qu'il vienne sceller ma parcelle derrière moi. Dieu va le punir. Aneto mourra comme un animal. Ça suffit. Il dira oui, mon, ce que je fais pour mériter ceci. Ça suffit. Hein? Ça suffit. Il ne vivra pas la peine. Ne dis pas ça.
Arrête de parler. Partons d'ici. S'il te plaît, allons-y. Manito, tu mourras d'une mort tragique. Ça suffit. Ça suffit. Oh. Qu'est-ce allons-y. Que je fais? Partons. Venez, partons. Hein. Oh. Désolée, ça suffit. Tu étais en train de me chercher. Oui, c'est ça. Sais-tu la raison pour laquelle je suis enfermée ici? Pendant que je te parlais dehors, Okezi pensait que je parlais seule. Qui es-tu? Et pourquoi tu me fais ça? Il ne te reste plus beaucoup de temps du tout. Commence d'abord par te ressaisir et arrête de poser les mauvaises questions. Tu dois te dire que sûrement ceci est un jeu. N'est-ce pas? Tu dois penser que c'est une blague. Je dois savoir ce qui se passe. J'ai besoin de réponses tout de suite. Il me reste juste très peu de temps pour te garder et te protéger. Au-delà de ça, ta vie ainsi que ta mort dépendent de ta décision. Arrête cette folie! Arrête! Ton père a les réponses à absolument toutes tes questions. Mon père est déjà mort. Ok? J'étais dans le ventre de ma mère pendant qu'il mourait. Tu étais morte avant ton père. Si tu pouvais lui poser des questions, il t'en donnerait les réponses. Ça, c'est une blague. Vraiment. J'étais morte avant mon père. Sérieux? Ok, c'est bon. Vieillon, je finis avec toi. Rentre d'où tu viens et laisse-moi tranquille. Je n'ai jamais demandé ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dégage! Dégage! Si tu oses rester ici encore longtemps, tu finiras là où on garde des fous. Ce n'est certainement pas une très bonne expérience. Oudemwa, es-tu prêt à embrasser ta destinée ou pas? Emeka, comment tu vas? Ok, Dégé. Où est ma fille? Veuillez vous calmer, maman. Elle est détenue. Il n'y a encore aucune raison de paniquer. Nous faisons juste quelques examens. Docteur. Oui. Le docteur Dimba continue de monologuer. Présentement, elle crie, je ne sais pourquoi. La clé est là. Ça recommence. Ma fille, Claire. Ma fille, Claire. Emmenez-moi là-bas. Okezi. C'est moi-même qui l'ai enfermé ici. Oh. Faith! Faith! Oui, docteur. Vous m'avez appelé. Où était? Mais je l'ai laissé ici avant de venir vous faire rapport. Okezi, tu as instruit à cette infirmière d'ouvrir la porte et de la laisser partir? Non! J'ai le clé. Okezi. Si je ne vois pas clair dans les minutes qui suivent, je vais faire tomber cet hôpital. Et pour toi, infirmière, je vais te tuer de mes propres mains. Non, maman, maman, arrête, 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 maman. Laissez-moi la tuer, laissez-moi. Ne touche pas. On finira par trouver Claire. Oui, calme-toi. Hein? On va retrouver Claire. Je n'aime pas ça. N'oublie pas que c'est ça. Je n'aime pas ça. Baissez votre voix. Je suis docteur, ok? Je fais la médecine. Partant de ton accoutrement et de ce que tu racontes, je doute fort que tu comprends ce que je dis. Parce que tu n'arrives même pas à répondre aux questions que je te pose. Les gens penseront bien que tu es folle quand ils se rendront compte que tu ne parles à personne. Le regard même de ce jeune homme-là nous dit absolument tout. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Comment je t'ai vraiment laissé m'amener dans cet endroit? Tu as 4 jours pour arranger toute chose. Si tu meurs, Amimo va souffrir de diversité des conséquences. Dis quelque chose de raisonnable. Ah!
Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok. Bien. Quelqu'un essaie de me tuer, n'est-ce pas? Et toi, esprit, fantôme ou je ne sais vraiment comment t'appeler, tu ne peux les en empêcher. Comment suis-je censé? Oh. Est-ce que je vais mourir dans 4 jours, soit quelqu'un... Je veux dire, cette personne qui essaie soi-disant de me tuer... C'est ici que mon voyage vers Amimo s'arrête. Seigneur, mais quoi? C'est quoi ton problème? Hey! Vieil homme! C'est quoi cette blague? Est-ce que... Ok, c'est bon, tu as gagné. Je suis désolée. Reviens maintenant. Eh oh! Mais c'est quoi cette bêtise? Reviens! Mais comment peux-tu me laisser ici? Et partir? Vieil homme! Guerrier! Dieu sait que je vais t'étrangler. Si quelque chose de mal arrive à ma fille. Maman, calme-toi. Tu dois essayer de te calmer. Me calmer? Tu me demandes de me calmer? Pendant que ce monsieur ici, qui était supposé de prendre soin de ma fille Claire, mais lui et sa stupide infirmière ont laissé ma fille disparaître comme ça. Et tu me demandes de me calmer. Je n'ai pas à me calmer. Mais, Okezie, es-tu en train de dire qu'aucun membre de ton staff ne l'a vu sortir de l'hôpital? J'ai posé tant de questions. Et mec, tu m'as vu aller partout à l'hôpital posant des questions. Mais personne ne sait où elle est allée. Je l'ai même cachée enfermée. Mais je... Ferme ta gueule! Ferme ta bouche! Ferme-la! Et laisse-moi parler. N'importe quoi! Emeka, nous allons informer la police. Je n'ai rien à garder maintenant. La fille dont nous parlons ici, c'est ma fille. Suis-je claire? Oui, maman. Elle vient de me faire un message. Elle a écrit un message? Elle est venue à Amimo. Maman? Maman? Ça, c'est la propriété de Dimba. Et je pense que tu ne devrais même pas t'y approcher. Enfin, faut pas entrer dans cette propriété-là. Pourquoi? Il y a un très grand et très puissant féticheur. Il a mis cette chose-là là-bas. Et quiconque met ses pieds là-bas va certainement mourir. Moi, je dois partir maintenant. Ok. Merci. Hey! Vas-tu laisser ça? Qui es-tu et où est-ce que tu vas? Veux-tu mourir? Hey! Es-tu stupide? Je te pose la question et tu m'as ignoré comme ça? Pourquoi n'est pas entré et t'es présenté proprement? Le Grand Suprême. Le Grand Suprême, la nourriture est servie. Oui, Grand Suprême. Vous savez que depuis le matin, vous n'avez pas encore mangé. Et tu sais que la guerre demande une très bonne nourriture, bien fraîche. Oui, donc, et voilà pourquoi nous avons préparé un bon repas pour vous. Voulez-vous que je vous transforme en crapaud? Ah non, 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 non monsieur, non. Alors non. Disparaissez de ma vue. Maintenant. Onyedika! Ne t'approche pas de moi! Onyedika, reviens s'il te plaît! De mon collier. Onyedika! Oh mon Dieu! Onyedika! Onyedika, viens! Reviens s'il te plaît! Onyedika!
attends. Onyedika, reviens. Onyedika. Onyedika, s'il te plaît. Attends. Je ne te permettrai jamais d'attaquer Agneto. Es-tu malade? Cogné, reste en dehors de ça. Ne te mêle pas dans cette histoire. C'est comme ça que tu veux tout perdre? Hein? Je n'ai rien à perdre. Je vais aller achever Neto et me donner la mort par la suite. Onyedika, Onyedika, écoute-moi. Tu peux laisser ce dossier, hein? Tu peux le laisser, Onyedika. Tu ne peux pas être lâche pour commettre un suicide. N'ose plus jamais me qualifier de lâche. N'ose plus me dire ça. Koye, tu as fait ce que Neto a fait de ma maison et tu oses me qualifier de lâche. Je vais aller tuer ce Neto. Onyedika, laisse-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Onyedika. Tu sais très bien que si tu t'approches de lui, il va te tuer. Onyedika, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Retournons, s'il te plaît. Je t'en prie. Hein, s'il te plaît, retournons. S'il te plaît, Onyedika. S'il te plaît. Retournons à la maison. S'il te plaît. Onyedika. Ça suffit, Onyedika. C'est bon, allons-y. Hein. Ça suffit. C'est bon, ok. Ça suffit, Jo. Allons-y, hein. Excusez-moi, monsieur. Où est-ce que je peux trouver les gens qui habitaient ici? Ce n'est pas normal. Je te posais des questions, tu m'avais ignoré. Maintenant, tu veux que je te donne des réponses? Pourquoi ne pas sortir de cette courée et tu verras si tu n'aurais pas des gifles et des coups de poing? Tu vas gifler donner de quoi une fille? Un homme comme toi? Tu n'as pas honte? Quoi? Attends, est-ce que c'est dans vos habitudes ici au village de crier sur des gens que vous ne connaissez pas? Tu es malade? C'est moi que tu parles comme ça? Tu n'as pas de respect? Qui es-tu? Et que fais-tu dans cette maison? Mais pourquoi dans ces villages, les gens aboient comme des chiens? Ah! Le jour n'est pas arrivé où un mortel comme toi appellerait à Neto un chien et vivrait pour raconter l'histoire. Ah! Tu es déjà morte! C'est bon, maman. Le docteur sera bientôt là. Quelle bêtise! Au lieu de m'emmener au village, tu m'emmènes à l'hôpital. Alors que ta sœur est en danger au village. Hein? Emeka, tu l'as eu au téléphone? Non, maman. Son numéro est toujours injoignable. Mais tu dois te reposer, non, maman? C'est quel conseil que tu me donnes? Emmène-moi au village, s'il te plaît. Ok, d'accord. Je vais t'emmener au village. Mais avant tout, nous devons d'abord retourner à la maison et faire notre valise. Si tu ne m'emmènes pas au village maintenant, j'irai moi-même, tu verras. Arrête. Non, maman. S'il te plaît. Si tu as fini avec tes grimaces, peux-tu me dire où sont partis les gens qui habitaient ici? Ugo Buzo. Oudéwa. Ugo. Onyedika, s'il te plaît. Calme-toi, ma chérie. Sois forte. Maman, tu ne croirais pas le spectacle dont je viens d'être témoin dans la cour de ta maison. Hein? Il vaut mieux le vivre que le raconter. Aïe! Une fille ordinaire. Aïe! Gabuzo, hein? Tu ne vois pas que son humeur n'est pas là pour accepter des bêtises que tu fais maintenant? Regardez cette femme. Hein? Je vous ai dit que j'ai vu une fille ordinaire qui est entrée dans sa maison. Avec ses mains, elle a coupé le homme et est entrée. Ce n'est pas fini là-bas.
J'ai vu Aneto. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Je pensais qu'il allait étrangler, tuer cette fille. Mais à ma grande surprise, c'était comme un bombardement. La fille a arrêté la main d'Aneto. Bah! Je vous dis. Qu'est-ce que tu racontes? Aneto voulait attaquer la fille. Mais quand leurs deux mains s'étaient cognées dans l'air comme ça, le bruit que j'ai entendu était 10 fois plus que celui du tonnerre. J'ai esquivé. Bien. Gobuzo, sûrement tu n'as pas pris l'alcool parce que tes deux pieds sont très forts sur la terre. Mais pourquoi est-ce que tu dis des choses pareilles? Elle est toujours dans la cour de la maison. Pourquoi? Pourquoi? Comment c'était possible? Comment mettre du sac de sel sur ma tête et toujours m'envoyer de la pluie? Je n'ai jamais été humilié ainsi dans toute ma vie. C'est une tâche pour laquelle je me suis préparé toute ma vie. Pourtant, elle se cachait à moi. Mais aujourd'hui, je l'ai vue, elle. Pourtant, tu as permis à la première occasion que j'avais eue pour célébrer ma victoire de m'échapper. Pourquoi? Tu es Madame Onyedika Dimba, n'est-ce pas? Oui, et qui es-tu? Mon nom est Oude... Mon nom est Claire Oudemba, la fille du défunt Maduka Dimba. Claire! Oui, maman. Ma fille! Eh, wow! Goye, le son est plus fort que de l'eau. Je l'ai dit. Maintenant, regarde ce que tu as causé. Si cette femme meurt, hein, je te tuerai. Onyedika. Maman. Quoi? Quel est le chemin qui nous conduira à Mimo? À Mimo, c'est là-bas. C'est ce que tu vois là. Mais je ne pense pas que j'irai avec toi. Pourquoi? N'est-ce pas la raison pour laquelle nous avons quitté l'hôpital très tôt? Et tu ne devrais pas me permettre d'y aller. Maman, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Maman, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, j'ai quitté Amimo avec des larmes aux yeux et de tout mon cœur. J'avais juré que je ne retournerai plus là-bas. Et même si on me force d'y retourner... Quoi encore, maman? Que je ne verrai plus la lumière d'un autre jour. Jésus-Christ. Ah, Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je crois que j'ai déjà vécu. Et je sais que c'est Claire qui mérite la vie. Ouais, elle mérite vivre. Franchement, maman, c'est que tu dis, je n'arrive pas à comprendre. Vas-y. Ok? Vas-y. T'es sûr que je dois partir? Oui, vas-y.
Allons la chercher. Allons-y. Vas-y, ok? Allons-y. Êtes-vous venu pour me défier? Comment est-ce que des gens comme nous peuvent faire cela à celui qui parle avec les esprits? Le grand Aneto, on vous salue. Qu'est-ce que vous voulez? La fille du défunt Maze Onduka est venue. Et au-delà de tout ça, elle est entrée dans la pensée avec Onyedika. Et en quoi ça me concerne? Aneto, elle n'est pas entrée là-bas par défi. C'était juste sous son émotion. Alors nous sommes ici pour vous supplier d'enlever cette malédiction. Parce que ça sera Vous deux, venir dans ma maison pour me supplier au nom d'une meurtrière? Mais personne n'a été capable de prouver qu'elle a tué son mari. Tais-toi! Qui a demandé à cet inutile ivrogne de parler devant moi? Si tu t'es digne pour être sacrifié, je t'aurais offert au Dieu comme un sacrifice. Je suis fini. Maintenant, vous deux, faites un demi-tour et sortez de ma maison. Vite! Fermez mon portail. N'importe quoi. Moi, ivrogne inutile. Hein? Il a même dit que je ne suis pas digne pour être sacrifié. Aïe! Je suis fini. Je n'ai jamais été insulté comme ça dans ma vie. Ce petit Aneto. Hugo, s'il te plaît, oublie l'insulte. La vie est ainsi faite. Onyedika a mis sa vie sur la ligne juste pour servir une autre personne. Peut-être que nous devons aller le dire au roi ou... Qui est Aneto même, hein? Qui est-il? Est-ce que c'est parce que tout le monde dans ce village a peur de lui? Hein? Hugo Buzo, ne permettons pas que Onyedika, cette fille, puisse mourir. Sais-tu que, après la mort de la fille d'Onyedika, je l'avais personnellement amenée à Okwafa, à Unyoguago pour la divination? Qu'est-ce que la divination d'Okwafa a à voir avec toutes les insultes Aneto a fait pleuvoir sur moi? Ok, regarde, Nkoye, as-tu vu de la boisson dans ma main? Est-ce que je suis ivre? Okwafa nous avait dit que Aneto est responsable de ce qui se passe dans la parcelle des Onyedika. Jésus-Christ, mon sauveur. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Jésus est mon sauveur. Chimo Adebo. Oui, c'est vrai, tu es le salut de mon âme. Mère, tu dois manger quelque chose. S'il te plaît, mangeons. J'aime ton esprit, ma fille. Ce que tu viens de faire a brisé la peur qui s'emparait de nous et qui limitait nos vies. Et quand la mort viendra, il faudra de l'énergie pour aller dans l'au-delà. S'il te plaît, mange. Aneto est un animal sauvage et je lui montrerai que je suis plus fort que tout sacrifice qu'il effectue. Abuzo, de quoi parles-tu? Aneto doit inverser cette malédiction au coup de fusil, qu'il le veuille ou pas. On verra. Ah, Ugo! Ugo Buzo! Ugo Buzo! Stop! Soyez avertis, ne mettez pas vos pieds dans cette parcelle. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas entrer dans la parcelle? Og, tu es méchante. Je dis que tu es vraiment une femme méchante.
Claire, que fais-tu ici au village? Regarde-toi. Tu t'entretiens avec la même femme qui a juré d'exterminer toute la famille de Odimba. C'est pas juste, hein? Onyedika, donc c'est ça ton plan, hein? Donc c'est ça ton plan, hein? Tu as utilisé ton fils pour prendre ma fille et l'emmener au village, c'est ça? C'est moi que tu cherches, oh! C'est moi que tu cherches! Méchante sorcière! Tu es méchant, toi! C'est quelle femme que... Ogobuzoa, fais beaucoup de bruit pendant que tu marches. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, papa. Je ne voulais pas te déranger. La dernière fois où tu as mis tes pieds dans cette parcelle, je crois, tu n'as pas bien marché, n'est-ce pas? Papa, tu peux continuer ton repos. Hein. Je vais bientôt revenir. As-tu perdu ta tête? Sais-tu ce que ta stupidité a causé à moi et ton frère? Sais-tu comment on est venu ici? Claire, entre dans cette voiture et nous allons quitter ce village tout de suite. Onyedika, hey, oh, ils sont là. Pourquoi tu les as permis d'entrer dans cette parcelle, hein? J'essaie de les avertir. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Hey, hey, oh, hey. Claire, est-ce que vraiment tu peux nous dire ce qui se passe ici? Nous sommes tous morts. Morts? Tout celui qui entre dans cette parcelle est une personne morte. Hey, maman. Un homme. Je suis désolé, je ne pense pas que je vais aller avec vous. C'est une question de sauver des vies ici. Oh. Ceci est un problème spirituel. Nous n'avons pas de pouvoir d'interférer. Tu ne dois pas te dégonfler. Aneto a détruit et opprimé les peuples de cette communauté pendant longtemps. Et il est grand temps que nous montrions que nous sommes des hommes comme lui. Hugo, ça c'est une très bonne opportunité pour nous de lui apprendre une leçon. Qu'il soit un homme fort ou un homme dur, je crois qu'il doit avoir peur des gens comme nous. Je le crois. Oui. Je peux poursuivre des cambrioleurs ou même des kidnappeurs, mais combattre Aneto avec une arme. Pensez-y un peu. Vous réalisez ce dans quoi vous êtes en train de vous plonger? Savez-vous de quoi est-ce que vous parlez? Regardez-moi cet homme, toujours là avec ses enfants. Va-t'en, c'est là. Reste là. Je ne suis pas surpris. Emeka, il se passe quoi? J'ai essayé de te joindre pour avoir des nouvelles de Claire. Claire est là-bas au village? Oui. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Honnêtement, Okezie, ça c'est vraiment le pire des voyages de toute ma vie. Si je savais néanmoins que ce voyage serait ainsi, je n'allais en aucun cas me précipiter de revenir dans ce village de sorciers. Oui. Alors, demain, dès les premières heures, je serai de retour à la cité. Cependant, si tu ne me vois pas, dis-toi que nous sommes tous morts ici au village. Oh. Oui. Claire, comment est-ce que tu avais disparu de l'hôpital sans que personne ne te voie? Oui. Où se trouve la tombe de mon père? Et qu'est-ce que le vilain ivrogne et ses petites mascarades font dans ma maison? Aneto, nous n'allons pas croiser les bras et te voir perdre la vie des innocents pour rien. Et que pensez-vous faire à ce sujet? D'ici, nous irons dans la maison de Dingba pour que tu investes tout ce que tu as fait là-bas. Et écoute, soit tu nous suis volontiers, ou bien nous serons forcés à te faire bouger.
je pardonnerai votre ignorance. Et gentiment, vous laisserez ressortir de ma maison avec vos deux pieds intacts. Tu mens, Anito. Nous ne bougerons pas d'ici sans toi. Si tu ne pars pas avec nous là maintenant, Hugo, tire-le dessus. Ah, Hugo, ne perdons pas le temps. Passons à ce qui est essentiel, non? Tire-le dessus. Anito, méfie-toi, tu es en train de me tenter. Oh. Il fera mieux de bouger. Ah! Ces enfants ont défié leur père. Vous allez maintenant en subir les conséquences. Balaye la cour de la maison. Balaye la cour. Je leur avais prévenu, oh. Ils n'auraient pas dû être si têtus. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Tu dois lui montrer là où on a enterré mon mari. Parce que j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle a disparu de l'hôpital. Claire, comment est-ce que Okezie avait ton téléphone, mais il s'est retrouvé avec ton message. Vas-y, parle. Claire, pourquoi tu veux voir la tombe de ton père? Claire. Honnêtement, je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe ici. Regarde, nous sommes tous arrivés dans cette situation juste à cause de toi. Je crois qu'il serait mieux de nous dire ce qui se passe ici. Tu nous dois des explications claires. Qu'est-ce que je peux encore vous expliquer? Personne d'entre vous n'essaie de me comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Que tu es un médecin? Cela ne fait pas de toi plus intelligente que moi. Agou, n'est-ce pas que vous m'aviez dit que vous partiez chez... Écoute, j'étais en train de suivre Gobouz avec les autres vers la maison d'Aneto. Pour lui forcer d'inverser tout ce qu'il a fait ici. Moi, j'avais refusé. Mais j'avais changé d'avis. J'avais décidé d'aller à la maison d'Aneto. Et en arrivant là-bas, j'ai vu Aneto les jeter un sort. Et subitement, ils se sont mis à balayer la parcelle. Juste comme ça? Nkoye, qu'est-ce qui se passe? C'est un Onyedika. J'avais menti au Gobuzo. Je lui avais dit que Okafo nous avait révélé que Aneto est responsable de ce qui se passe dans ta parcelle. Et maintenant, il était parti chez Aneto pour enlever la malédiction. Et ils sont dans les troubles. Donc tu en es la cause? Je ne sais pas. Qu'allons-nous donc faire? Thank you.
Ce que tu viens de faire ici est impressionnant. Mais voici ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui t'a donné le culot de venir dans ma demeure et faire ça? À la place de t'attendre à la réponse, pourquoi ne pas regarder ceci? As-tu perdu la tête? Anito! Anito! Viens! Qui es-tu? C'est comme ça que tu es censé me remercier pour t'avoir sauvé? Es-tu au courant que si ce n'était pas à cause de toi, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation? Ah, je ne serais même pas allé défier Annette ou bien... Attends, tu l'appelais Ugo Bozo. Je veux savoir pourquoi. Les hommes et leur stupide fierté. Tu refuses de me remercier, ok? La prochaine fois que tu seras dans le pétrin, ne compte pas sur moi. Attends, qu'est-ce que tu as ton problème? Hey, nous sommes finis, yo. Hey. Juste le good. Juste le good. Tu as vu ce que tu as fait? Veux-tu que je meure? Pourquoi tu me cherches des problèmes? Tu veux devenir mon problème? C'est ce que tu veux? Je parle du fait que j'ai traversé la ligne. Hein? Ah. Ça, c'est nouveau. Mais il n'y a aucun problème sans solution. Moi, Aneto, celui qui se tient sur le sol et compte les plumes de l'oiseau qui vole. Maintenant que j'ai mes yeux sur toi et que j'ai touché ce que tu as touché, on va voir comment elle va survivre cette fois-ci. On va voir. Maman? Maman, réveille-toi. Maman? 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 Claire, je crois que maman est morte. Hein? Maman? Dis-moi quelque chose, Claire. Maman? Maman dit qu'elle mourrait si elle revenait encore dans ce village. Claire! Oh mon Dieu!
Maman? Claire! Hey! Maman, est-ce que tu vas bien? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! À l'aide! Venez nous aider! Venez nous aider! Pourquoi pas la faire entrer dans le véhicule? Qu'est-ce qui se passe? Claire! Claire, ne fais pas ça! Hey! Dépêche-toi! Oh mon Dieu! Désolée! Vite! Va vite! Allons-y! Maman, la voiture ne démarre pas! Démarre! Non, elle ne démarre pas, maman! Sortez-la dans ces véhicules! Elle n'est pas prête à partir! Hein? Reste en dehors! Claire, viens, ma fille. Claire. Attends, d'accord. Attends. Viens. Maman, tiens là. Tiens là. D'accord. Tiens-la bien. Anna, c'est bon. Dépêche-toi. Le mieux serait de la faire entrer à la maison. La voiture a démarré. Partons, partons vite. Partons rapidement. D'accord. Claire, viens, on va partir d'ici. Dépêche-toi. Maman, entre, dépêche-toi, on va partir. Nous devons quitter cet endroit. Je vous l'avais dit. Elle n'est pas encore prête à partir. Fais-la sortir de ces véhicules, s'il vous plaît. Que Dieu te punisse pour ce que tu me dis là. Que te punisse pour ta sorcellerie. Oh, Dédica, tu es une sorcière. Ta sorcellerie là ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec moi aujourd'hui. Entre dans la voiture et partons d'ici. Maman, la voiture ne démarre pas. Ça doit démarrer, allons-y. Ah. Dépêche-toi! Emeka, entre vite! Sors de ce véhicule! Hey! Le moment est venu. L'heure a sonné pour le petit oiseau de prendre refuge. Je suis Aneto. La grande rivière qui fait noyer même l'oiseau du ciel. Nul n'a été et nul ne sera jamais plus grand que moi. Je voyage sur les ailes du vent et quand ma colère s'enflamme, même l'éléphant reçoit l'invitation de la mort. Le roi d'Amimo sera mon messager. Le peuple d'Amimo et même au-delà seront mes sujets. Et pour ceux qui ne se prosternent et tremblent devant moi, mon règne de la terreur a juste commencé. Ah! Tu crois que c'est? Où est Jacques de Nouhuye? Bissimbire mi, Sindjerebe? Okwa mounoué moussoukola manounou niala? C'est avec humilité. Des genoux et des côtes par terre, que le cabri suce du lait des seins de sa mère. Tchoukboa keke, Akani de Boacha, nommait son propre. Ane, Anyeboa Nebu Mbana, la déesse de la terre. Tu connais les bons et les mauvais côtés de nos pas. Je me demande toujours comment et quand Claire est arrivée dans cette histoire. Et c'est maintenant que vous voulez me dire... Pour être honnête avec vous, toute cette histoire que vous venez de me raconter me paraît vraiment très absurde. Comment est-ce que mon père est décédé juste parce qu'il a mangé pendant le funérail? Mais son repas n'était pas empoisonné. Selon Okwafa, votre père n'est pas mort à cause de ça. Mais c'était à cause de la motivation avec laquelle il a mangé. Mon fils, un homme ne peut pas manger pendant le funérail du père de son prochain si jamais il n'a pas encore effectué les funérailles de son propre père. Donc vous essayez de me faire croire que c'est ça la cause qui a précipité la mort de mon père? Oui, et c'est la même chose qui te tuera demain si tu ne fais pas attention. Emeka? Où est Claire?
J'ai dit où est Claire? Elle était là. Oui, je sais. Mais la question est, où est-elle? Où est-elle? Hein? Onyedika, les as-tu dit où est-ce qu'on avait enterré mon mari? Hein? L'as-tu fait? Ifugobuzo, je sais qu'une personne sur qui ces rituels est appliqué devra subir un sort qui ne la laissera pas longtemps en vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu es venu voir si était mort, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort, mais la vas-tu sortir d'ici avant que je ne... Peux-tu arrêter d'aboyer comme un chien et m'écouter s'il te plaît? Que sais-tu à propos de ces charlatans? Moi, aboyer comme du chien? En tout cas, Aneto, n'est-il pas ton collègue féticheur? Je suis docteur, j'ai fait la médecine. Je suis pédiatre, si tu comprends ce que ça veut dire. Et pas une tradie praticienne. Ma fille, qui es-tu? Papa, cette fille est maudite. En réalité, elle est la raison pour laquelle je meurs à petit coup. Donc papa, ne le touche pas cette fille. Papa! Papa, ne la touche pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, non? Hein? C'est quel genre de bêtise, hein? Où est-ce qu'elle peut être, Claire? Où est-ce qu'elle peut être, hein? Combien de temps dois-je garder ces mêmes vêtements? Emeka, pourquoi ne pas l'attendre? Comme ça, moi, je vais aller prendre quelques vêtements à la maison. Maman, je m'inquiète quand tu penses que je passe des bons moments ici. Et cette histoire commence déjà à me chauffer la tête. Parce que je ne sais même pas si j'aurai encore la chance de travailler dès qu'on sera retourné à la cité. Ne me parle pas ainsi. N'ose plus me parler ainsi. Tu m'as giflé. Oui, je l'ai fait. Idiot. Maman, je t'en supplie vraiment au nom de Dieu. Ne rajoute pas des moments difficiles dans ma vie. J'ai le droit de quitter ce village avec ou sans Claire. Onyedika. Vois-tu ce que ta méchanceté nous a causé? As-tu vu? Regarde-moi. Je vis comme une folle ici dans ce village. J'ai une vie très confortable là-bas en ville. Mais regarde ici. Je dors dans la voiture parce que je ne veux pas dormir dans la même maison que toi. Onyedika, avec ta sorcellerie là, ça ne marchera pas avec moi. Assez. C'est assez, maman. Qu'est-ce qui te prend au juste? Ferme ta gueule. Ces fétiches-là t'ont déjà eu. Dis-moi, comme ça je vais te frapper. Et tu vas sortir de là. Dis-moi. Quand tu n'as qu'une arme comme moyen de sortir de tous tes problèmes, tu seras toujours dans le trouble. Cynthia, enlève la paille dans tes yeux, ainsi toute chose sera claire devant toi. C'est moi qui te dis ça? Aïe! Tu m'as giflé! Calme-toi, maman. Il m'a giflé. Calme-toi, maman. C'est bon. Il a giflé. Calme-toi. Laisse-la finir vers moi. C'est bon. Ce n'est pas un problème. Calme-toi. Ce n'est pas un problème. Oui, je suis aveugle. Mais je peux voir que tu es vraiment confuse comme une folle. Mais tu seras éclairée. Je crois que tu es... Papa, je t'ai prévenu. Cette fille est mauvaise. Papa, écoute, tu ne peux pas imaginer ce que fait cette fille. Hein? Papa, écoute, cette fille peut maudire et l'inverser comme rien. Comme un enfant affamé qui mange du beignet au bord de la rue, papa. Papa, évite cette fille. Elle est mauvaise. Messieurs, je ne sais pas ce que tu t'imagines. À partir de la confusion de ton âme, des questions auxquelles tu cherches des réponses, et ce que vient de dire mon fils, je crois que tu es cette personne-là que je peux attendre de toute ma vie. Papa, pourquoi dis-tu ça? L'as-tu une fois vu? L'as-tu une fois vu dans ce village? Hein? Papa, si tu avais les yeux, j'aurais dit que sa beauté t'a charmé, mais elle n'est même pas belle. Viens, il n'y a plus de temps à perdre. Viens avec moi, je dois confirmer ta vraie identité.
Ugo Bouzo. Ugo Bouzo. Papa. Ugo. Prends cet argent. Ugo Bouzo. Prends cet argent et va me trouver 4 bouteilles du vin de palme raffiné, du pur. 2 gallons du vin de palme d'Oye. 4 noix de cola. 5 poivres d'alligator. 8 tubercules d'igname. Et va dans ma chambre, sous mon lit. Tu y trouveras une boîte et amène-moi 6 carapaces. Amène-les-moi dans la maison de Okotorbala. Allons-y. Papa, il n'y aura pas de reliquat pour toi. Ne me raconte pas toute cette histoire. Va plutôt faire ce que je t'ai demandé de faire. C'est quoi ça? As-tu pu contacter Claire? Oui, bien sûr. Elle va bien maintenant. D'accord. Quand est-ce qu'elle va retourner au boulot? Très bientôt. Très bientôt. D'accord. Bien. Dieu. Mais comment je n'ai pu joindre aucun d'eux au téléphone? Je pense que je dois aller à Nimo tout de suite. Docteur. Oui. Voici le téléphone du docteur Claire. Vous me l'avez remis les jours où elle avait des réactions étranges. Y a-t-il un problème? Les articles que tu as demandé à ton fils d'acheter, tu as dit que c'était pour mon Ibago. Qu'est-ce que cela veut dire? Ibago est un processus spirituel qui révèle la vraie identité d'une personne réincarnée. Cela est établi à la personne à qui Ibango est appliqué. Je suis surpris de ta question. Réincarnation? J'aimerais vraiment... À part ce que je viens de dire, si tu es habituellement malade, Ibago est aussi utilisé pour déterminer comment cette maladie a infecté la personne qui est incarnée en toi et comment la soigner. Mais cela est aussi appliqué pour révéler certains actes, surtout pour des enfants qui volent souvent, des enfants qui sont têtus, mais aussi plein d'autres choses. Et tel que tu es là, tu peux réaliser cette pratique? Si tu peux te rappeler d'un lieu où tu n'as jamais été physiquement dans ta vie, n'est-ce pas, nous pouvons supposer que tu es en train de le faire par esprit et certaines connexions. Lieu? Mais de quoi est-ce que tu parles? Nous partons à la maison de Okotorbala. Je suis aveugle et je ne te guide pas. Comment donc tu m'as mené à cet endroit? Cela veut dire, comment sommes-nous arrivés ici? Attends. Tu veux dire que c'est moi qui t'ai montré le chemin? Et tu penses que c'est l'aveugle qui t'a conduit? Ma fille, tiens-moi la main avant que je ne tombe. Partons donc à l'endroit où nous sommes en train de partir, avant que Ogebuzo nous précède. On peut partir, n'est-ce pas? Continue donc à me montrer le chemin. Depuis que tu es consciente que c'est toi qui me guides. Je ne partirai pas d'ici sans ma fille. Mais Claire ne veut pas partir avec nous. Nous avons fait le nécessaire pour la remettre dans tous ses sens. Mais elle demeure toujours insensible. On peut, n'est-ce pas, partir et nous allons... Je t'ai déjà parlé, Emeka. Je ne quitterai pas ce village sans Claire. Ah! Mais fais quelque chose pour me trouver les vêtements et à manger. Cherche-moi à manger, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cherche-moi les habits. C'est quoi votre problème? On était censé mourir, mais Claire nous a sauvés. Est-ce que tu peux arrêter d'être sage à tes propres yeux pour comprendre que c'est pourquoi elle est venue ici et spirituelle? S'il te plaît, je t'en prie, pardon. Claire est ma fille et non la tienne. Et nous devons les soutenir, on doit être ensemble avec elle. Si tu es imbu de toi-même et que tu lui avais dit là où son père était enterré, elle ne serait pas venue ici pour commencer à s'amener ça et là. Quand est-ce que tu écouteras Cynthia, dont tu as vu même une fois d'être arrogante, pour écouter la voix de ceux qui sont autour de toi?
Oui, écoute. Maman, Emeka, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare pour le processus spirituel. Emeka, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, je ne vais plus me mêler de vos disputes. Si vous deux, vous voulez encore vous battre, vous pouvez continuer jusqu'à vous donner même la mort. Je m'en fous, car j'en ai vraiment marre. Emeka, si tu sors de cette parcelle, je vais te rejeter. Tu ne seras plus mon fils et je ne serai plus ta mère. Où est Emeka? Il est parti à Enugu. Es-tu contente maintenant d'avoir détruit ma famille? Emeka m'a désobéi. Mon fils m'a désobéi. Je lui ai promis de le rejeter. Mais il m'a défié et il est parti. Onyedika, merci. Tiens, les habits sont là. C'est pourquoi? Nous devons aller voir le roi et faire rapport de tout ce qui se passe. Tu ne peux pas aller voir le roi tel que tu es. Et qu'est-ce qui te dit que j'irai le dire au roi? Toi avec ta stupide fierté. Allez, tiens. Jusqu'à quand continueras-tu à tourner en rond pendant que tu peux avoir le monde entier dans tes mains? Agbara, il me faut plus de temps. Tu n'es pas censé avoir peur de conséquences de mortels. Sacrifier au démon, c'est ce qu'il te faut pour avoir ce que tu cherches. Ugobuzo, tu l'es maintenant. Tu seras élevé en titre de grand serviteur qui accomplit la mission de sa déesse avec fidélité. Ainsi, tu deviendras le plus grand guérisseur que le monde n'a jamais connu. Ugo Buzo. Oudez-moi. Ok, on y va. Allons-y. Tu es de la lignée de grands guérisseurs. Les racines et les herbes doivent obéir à tes ordres. Tu es Odemwa, la fille de Odidingborom. Odemwa. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Mon nom est Claire. Claire Dingba, et je suis docteur.
Je suis pédiatre. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Silence, Odenwa. Odenwa. Tu étais jeune et puissante, mais une menace pour celui que tu aimais. Son nom était Ogobuzoe. N'en déplaise à Dieu. Comment une fille si maudite pourrait m'aimer? Quel est ce porc épique qui se permet de parler en même temps que Okoto Obale en train de parler? Ta! Ngobuzoe n'a jamais voulu partager la vedette avec qui que ce soit, même avec Ndema que tout le monde pensait qu'il aimait. Ogobuzoe a signé un pacte avec une divinité noire qu'il pensait être Agbala. Parce que Agbala a promis de lui donner des pouvoirs illimités venant de ton sang, Ndema. Alors, qui est cet Ogobuzo? Bonne question. Monsieur, bonjour. Je vous en prie, écartez-vous du chemin. Le roi de Amimo veut passer. Dis à ton roi de venir s'agenouiller et se prosterner devant moi. Quoi? Es-tu normal? C'est moi que tu as posé cette question. Qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, Igwe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne peux-tu pas les dégager du chemin? Agenouillez-vous devant lui. Je vous en prie, agenouillez-vous. Moi? Agenouillez-vous. Et agenouillez-vous, bonsoir. Hey! 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 Bon travail. La prochaine fois que vous me voyez marcher sur la route, vous enlevez votre bagnole sur ma voie. Ah, mon roi, qu'est-ce que vous faites là par terre? S'il vous plaît, levez-vous. Tu as giflé ton roi, désolé. Mais jusqu'à quand vais-je continuer à vous expliquer, les gars? Je ne connais rien du tout à propos de ça. Je suis pédiatre. Je soigne les enfants. Dis-moi, le problème avec ceux qui sont spirituellement vides, c'est qu'ils ont perdu la foi et le système de croyance. Et que la seule chose qu'ils admirent est ce qu'ils croient pouvoir voir, mesurer et calculer. Arrête de te laisser aller à la négation de ce que tu es vraiment. Explore ta spiritualité. Tu crois que je suis vide spirituellement? Attends, tu crois que je suis... D'accord. Attends. En tout cas, personne ne me comprend ici. Es-tu content maintenant? Es-tu content? Je veux dire, je suis venue ici pour mettre un sens à tout ça. C'est pour ça que je suis venue au village. Mais vous me faites ce qui me complique davantage. Ces vieils hommes, ces fantômes, je ne sais quoi, m'avaient dit que j'allais mourir dans 5 jours. Donc c'est pour ça. Tu es aussi jolie, vraiment comme ta douce voix. Tu peux me voir? Je peux te voir ou d'un mois. Papa, tu vois? Papa, tu vois? Je peux voir maintenant. Et c'est quoi, Poutier? Ou d'un mois. Ah, Fugo. Hein? Non. Papa, tu vois?
Oui, je peux maintenant voir. Hé, hé. Aidez-moi. Emeka, où est le cadavre de ta sœur? Quoi? Tu es malade? Tu n'as donc aucun bon sens de civilité? Oh! Qu'est-ce qui se passe avec vous dans cette communauté? À peine tu viens voir quelqu'un, sans aucune salutation, et tu commences à poser des questions même stupides. Ewo! Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais suis-je vraiment bloqué dans cette bagnole? Oh merde! Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle a dit que Aneto a demandé au roi de s'agenouiller devant lui en cours de route. T'occupe pas de lui. C'est un traîné. Où est son cadavre? Quel cadavre? Où est le cadavre de Dengwa? Où est le cadavre de ta fille? Ma fille n'est pas morte. Et son nom n'est pas Dengwa. Si vous ne me dites pas, là où se trouve son cadavre, aucun d'entre vous ne vivra pour voir la lumière de demain. Je n'ai plus peur de toi. En dépit de tes enchantements, nous sommes toujours vivants. Si tu es aussi puissant, tu aurais dû savoir là où elle est. Je la trouverai. Et quand je la trouve, vous serez témoin de la renaissance d'Ugobuzo Ojake. Je la tuerai devant vous et offrirai son sang à Agbala. Allons-nous-en. Mais partons où nous voulons partir, non? Hey. Onyedika! 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 Oh! Hey! 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 Qu'est-ce que c'est, non? Emeka! Aïe! C'est mon frère! Qui es-tu? Tu ne me laisserais pas manger tranquillement et tu ne te montrerais pas non plus. As-tu si peur de moi? As-tu peur de manger avec moi? N'es-tu pas un dieu et tu as peur de manger avec les esprits que tu as tués? Si tu ne me laisses pas manger tranquillement, je te poursuivrai. Je veux te faire ceci. Je vais mettre la nourriture loin de toi. Et voyons voir comment tu vas vivre sans manger. Oh! Grand Suprême, tu ne manges plus. On peut enlever ton repas.
Viens, on va les manger. Hey, hey. Ah. Idiot. Insolent. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Et vous voulez manger. Comment allons-nous bouger? C'est quoi ici? Cette histoire? Je n'arrive pas à marcher. Oh mon bouger. Dieu. Claire, où as-tu vu Emeka? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est Aneto. Hein? Aneto. Hey. Vous n'arrivez pas à bouger? Nous sommes collés ici. On n'arrive pas à bouger. Fais attention. Hey. Ouais. Reste Emeka. Ogobuze, qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Ha. Claire a guéri sa cécité. Il peut voir. Hein? Je peux voir. Je peux maintenant voir. Hein? Emeka. Ndo. Désolée. Hey. Qu'est-ce qu'on va faire? Aneto n'a plus aucun pouvoir sur maman. Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Hein? Ça va aller, t'inquiète. Hey. Hey. Ah. Claire. Hey. Hey. J'ai un compte à régler avec Ogobuzo. Et Aneto, je dois le faire seule. Mais... Fais-moi ça. Oh. Non. On doit aller avec elle, non? Claire. Claire. Oh. 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Oh. Ah bah là. Agbala, je ne l'ai pas trouvé. Agbala. Agbala, il me faut ton aide. Agbala, si tu m'aides à la trouver, je ne te donnerai pas seulement son sang, mais aussi le sang de tous les membres de sa famille. Agbala, j'ouvrirai à mi-mort pour toi pour venir festoyer à ton gré. Agbala! Agbala! Ogobuzo, je t'ai entendu, mais sois averti. Tu as jusqu'au petit matin pour l'achever, sinon tu paieras le pot cassé. Pas d'erreur. Tu as la chance de me revenir en vainqueur. Ah! Mmh. Ah! Je suis renouvelé. Ah! Ah. Ah, Aneto. Hey. Tout devient plus clair pour moi maintenant. J'ai vu ma fille, Ndema. Maintenant, je sais pourquoi elle est revenue dans la maison d'Idima et pourquoi tu es reparti à sa recherche. Laisse-moi te dire, Obozoé, le monde continuera à résister à des mots comme toi. Et qui va m'arrêter?
J'ai été au Didingba Lobo et je demeure au Didingba Lobo. Tu me tues en premier, avant de l'atteindre ou toute autre personne. Hum! Bienvenue, mon amour. C'est bien d'être ici toi-même pour accomplir ton destin. Désolé, c'est triste que tu n'étais pas ici pour me regarder détruire Okota Agbala, ton père. Ugo Buzo, quand j'étais avec toi, j'ai pensé que ce n'était que de l'amour. Mais maintenant, je connais la vérité. C'était la continuité de notre amour dans notre vie précédente. Mais tu ne m'as jamais aimé. Tu ne voulais que le pouvoir. Pouvoir que tu m'avais méchamment refusé. Si seulement tu n'étais pas si naïf et stupide pour réaliser l'alliance que tu as fait avec l'esprit démoniaque qui n'était pas à Bala. Hé, tais-toi! Ah! Asi ebu ebele ugo bele nke si bi ebe na nkupa ya. Oui yo. Aussi longtemps que nous resterons unis. Bien, nous triompherons toujours des méchants. Ça c'est vrai. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que vous faites, ne souillez jamais vos mains avec oui, le mal. Ça, c'est vrai. Orone. C'est vrai. Je suis heureux parce que la paix est finalement revenue sur notre terre. Oui. Et je sais que vous êtes également heureux.
Bien sûr, oui. Parce que cette paix est ce qui amènera le progrès dans notre communauté, n'est-ce pas? Mais tu as traversé beaucoup de choses pour quelque chose que tu ne connais pas. Mais tu es sortie victorieuse. Oui. Une chose qui est très très importante de nos jours est la famille. Oui. La famille et les socles représentent tout. Vraiment. Une vraie protection. Sont-ils obligés de savoir que tu es Tichimbolobo, mon père dans ma vie précédente? Je ne te demanderai pas comment tu l'as su. Parce que le tireur de vin ne peut pas tout voir quand il est au-dessus du palmier. Oui, c'est très Merci. Sage. Ah ouais. Merci. Sois le bienvenu. Oh Claire, je me suis inquiété pour je toi. Je suis très désolée. Tout va bien maintenant. Ouais, c'est bon. Toi, tu nous as vraiment pris beaucoup désolée. De temps. Désolée. Bien. Maintenant que nous avons fini et que nous sommes prêts à retourner en ville, je veux écouter quelque chose de clair. Si elle sera à l'aise de rester au village ou bien elle va rentrer. Oh. Jeune homme. La chose la plus importante est qu'elle a connu ses racines. Et elle a également réalisé que son peuple est un peuple au grand cœur. Et nous sommes également des personnes progressistes. Ou bien ce n'est pas ça. Permettez-moi de prendre congé de vous. Et je souhaite à tous un bon voyage. Merci beaucoup. Bon bon au revoir. Siana, hey, it's a barrier.